Je pense que les jardins publics sont un lieu de distraction. Des fois, quand tu es ennuyé ou tu es embarrassé, tu peux venir prendre de l'air. Actuellement, je suis à la pause, donc je suis venu m'installer juste pour prendre un peu de l'air en attendant que on reprenne. Moi, fille, je suis là. Les filles, elles sont là, nous sommes là, nous sommes là. Vous voyez déjà, il y a un peu de l'air partout. L'arrangement n'est pas bien. Nous voyons que les populations que nous sommes, nous jetons des sachets plastiques un peu partout. Donc c'est bien vrai que c'est un lieu public. C'est des endroits très posés. Oh là, c'est facile. Et malheureusement, ici, on constate de nos jours que les jardins publics sont mal entretenus. Je vois que au Bénin ici, le président Cotonou. Mais le coton là, support. Et on n'en a pas assez. Il support le tour, mais les coups du Sophie là. Nous n'en prenons pas du tout ça. Profite du coup. On va obliger mais non. Mais. Ni d'accord, on est bon à mon médium dans le droit de dire, il nous apprend. Place l'ordre, les coups du bon, mais nous médium dans le droit. Et ici, il se trouve le jardin public. On constate que les poubelles ne sont pas assez pour l'endroit. J'invite l'État à nous aider à avoir plus d'espace public. Elle a vu une nuit. Et j'exhorte l'État, le gouvernement actuel, à mieux entretenir ces endroits. Et aussi à sensibiliser surtout les populations. Pour veiller à l'entretien de ces lieux. J'exhorte également la population à aider l'État dans sa quête. J'exhorte les habitants à faire bon usage de ces lieux, de ne pas laisser les sachets, les papiers et autres, ces papiers, parce que on dit un endroit public. Donc il faut que chacun de nous porte un coup de main à ces endroits pour que ça soit un endroit bel et accessible à tout le monde. Vous voyez, c'est vrai, c'est joli, mais. J'invite les jeunes aussi à participer à l'entretien de ces lieux parce que c'est nous-mêmes qui les utilisons. Mais nos enfants, ils ont bien aidé. 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 Ils ont bien aidé.